Oh là 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 là. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me rappelle des souvenirs et à quel point ça me plonge dans mon enfance. Bienvenue sur RVGG pour ce petit review, cette fois-ci, par Let's Play, un petit review du jeu World of Illusion, starring Mickey Mouse and Donald Duck, sorti en 1992 sur Mega Drive. Qui fait partie de la lignée des Illusion, hein, des jeux Mickey Illusion, qui est un peu le deuxième volet sur Mega Drive de Castle of Illusion. Et il y a eu également Land of Illusion, hein, sur Master System, jeu que je connais moins. Castle. Ouh là là. Ouh! On se calme. On se calme. Je disais donc, Castle of Illusion, je le connais beaucoup moins. Mais alors celui-ci. World of Illusion, c'est vraiment le jeu de mon enfance. C'est-à-dire que le jour même où j'ai eu la Mega Drive, donc j'ai dû l'avoir en 94, je dirais, dans ces eaux-là. Donc j'étais tout petit, j'avais 5 ans. On avait reçu le pack Mega Drive Roi Lion, si je dis pas de bêtises. Bon, je dis peut-être des conneries, hein. De toute façon, il n'y aura personne pour vérifier, à part éventuellement mon frangin. Mais on avait eu aussi ce jeu. Évidemment, on était petits et donc nos parents se sont dit on va leur offrir un jeu Mickey. Et bah quelle bonne idée ils ont eu en m'offrant ce jeu. Mais quelle bonne idée. Parce que bah on vient de le voir, c'est que ce jeu se jouait à deux, mais se jouait à deux en même temps. Et c'était rare à ce moment-là. Il y avait des jeux multijoueurs. Des jeux de combat, les Street Fighter, les Mortal Kombat, tout ça. Ensuite, des jeux de sport où on pouvait jouer à plusieurs. Voilà, ça existait déjà. Mais un jeu comme ça, de coopération, enfantin en plus, où vraiment on n'était pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, bah c'était super rare. C'était plutôt rare, et on a eu le droit à ce jeu-là, qui est en plus dans l'univers de Donald et Mickey, donc super univers. Ça reprend des codes. Voilà, pour l'histoire. Je sais pas si on peut voir plus de l'histoire. On va peut-être lancer le jeu pour en savoir plus sur l'histoire. On va lancer un jeu avec Mickey, on va continuer à en parler. Ah bah voilà, on y est. Une nuit, Mickey et Donald vont en gros se préparer pour un show magique. Et donc, dans la plupart des tours. Il y aura une boîte mystère dans laquelle ils vont disparaître pour se retrouver dans différents mondes de Disney. Principalement Alice au Pays des Merveilles, qui est beaucoup en avant mis dans le jeu. D'où je pense le principe des cartes, en fait, des cartes à jouer qu'on retrouve régulièrement dans le jeu. Forcément, ça rappelle énormément Alice au Pays des Merveilles avec les cartes et la Reine de Cœur. Donc forcément, c'est assez présent. Donc voilà, là. Ce que propose le menu, on va remettre un tout petit peu de son sur le jeu, parce que la BO est tellement agréable aussi. Écoutez-moi ça. J'adore, c'est. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc, ce que nous propose le menu, j'ai lancé le jeu. Ah mince, je voulais vous montrer. Je voulais montrer. Bon, c'est pas grave, on va reset le jeu. On va reset. Oh putain, je voulais vous montrer un peu le menu et je me suis planté de touche. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais vous montrer un peu ce que proposait le menu du jeu. Donc, on a toujours cette petite intro avant d'arriver au menu. Donc, voilà, ce que propose le menu. La possibilité de sélectionner des musiques. Alors je sais pas si c'était du coup pour les écouter. C'est marrant ça. On pouvait s'écouter les musiques comme ça en fait. Oui, bon, pourquoi pas.
Voilà, ensuite là ici les contrôles qui sont proposés, donc aussi bien il y a plusieurs façons de le jouer, bon la plus on regarde souvent la plus classique, mais il y avait plusieurs configs possibles, ce qui était plutôt cool. Ici on a le menu des passwords qu'on servira après pour je vous montre, comme là on est sur un review, je vais essayer d'aller assez vite, je vais vous montrer un peu le début avec Mickey et je vous ferai une partie avec Donald juste après. Et donc bah éventuellement bien sûr la possibilité de choisir entre un joueur et deux joueurs. Voilà. Et en plus, du coup, quand on est en un joueur, on peut choisir entre Donald et Mickey. Moi j'aimais beaucoup les phases avec Donald, et même Donald je trouve beaucoup plus attachant comme personnage un peu râleur, ses animations où il râle, où il est grincheux, je trouvais ça super marrant. C'est mon frangin qui jouait souvent Donald, il aimait bien prendre Donald, on se bagarrait pour savoir qui prenait Donald. Donc j'avais souvent Mickey. Mais ouais, Donald était intéressant aussi. Et même là on pouvait choisir, hein. Hop, si on passait en deux joueurs, on pouvait choisir entre qui ferait Mickey, qui ferait Donald. Voilà, bon bah du coup, là on reste comme ça, on prend Mickey et on va avancer dans le jeu, on va voir un peu ce que ça propose. Regardez, il y a vraiment, déjà rien que ça, c'est classe. On a la chenille, bah justement, qui rappelle un peu la chenille d'Alice au Pays des Merveilles. Qui est en premier plan. C'est super joli. Enfin, voilà, le jeu est vraiment beau, quoi. Il est beau. La musique est super agréable. D'ailleurs, je vais la baisser un petit peu, vous l'avez un peu à fond, là. Mais, ouais, c'est super joli. C'est, franchement, voilà, c'est agréable. C'est hyper maniable. C'est un peu lent, mais je pense que, bah, c'est... Comme c'était destiné aux enfants, fallait forcément que ça soit quand même ça soit pas un truc trop speed et qu'il soit accessible. Alors là, ça, c'est leur mode d'attaque, qui est bien sûr non-violent. Hein. On est dans le monde de Disney, et donc ce n'est pas des coups qui sont apportés, mais de la poussière magique de tapis. Tiens, prends la poussière magique. Et en plus, il rit en attaquant, regardez. Je te fais du mal, j'adore. Et voilà, et donc sinon, qu'est-ce qu'on avait? On avait la possibilité de courir, alors l'animation, regardez comment elle est cool. Oh, il est en panique, au secours, au secours. Non, ouais, c'est voilà, c'est plutôt stylé. Et bon, le jeu se finit très vite. Hein. Il est plutôt court, pas très dur, même si, bon, le boss de fin, on va dire la fin, regardez ça, il se transforme en petite fleur. Oh, c'est mignon. Non, mais je me moque, mais en fait, c'est vachement beau. C'est beau, la musique est agréable, le jeu n'est... Voilà, c'est une dose de repos, ce jeu. Voilà, c'est un jeu que je me suis empressé de racheter quand j'ai refait ma collection Mega Drive. Et voilà, c'est reposant de jouer à ce jeu. Voilà, c'est reposant. On a le temps de voir les ennemis arriver, on n'est jamais trop en stress. Bon, il y a des petits passages... Mais il n'est pas pour autant trop facile. Enfin, il est facile, mais... Il reste amusant par son animation, par ses univers. Voilà, vous regardez des petites phases rigolotes. Alors cette phase-là, quand on est à deux, on la fait à deux, il n'y a pas les boules en bois. Et c'est Donald qui... c'est le joueur 2 qui va servir de tremplin pour pouvoir passer de l'autre côté. Je vous fais une petite incruste, de toute façon, là, en bas à gauche, pour que vous voyez un peu la phase du jeu à deux. Et non, c'est vraiment, vraiment cool. Et en fait, voilà, Donald et Mickey s'entraident en tractant avec une corde. Non, c'est vraiment sympa. Comme je disais, voilà, on a le temps de voir les ennemis arriver. Bon, là, ils font un peu la queue, chacun à leur tour. C'est assez simple, hein, c'est sûr, mais... Bah, on n'en demande pas plus, en fait. C'est un jeu Disney. On n'est pas dans les jeux hardcore comme Mickey Mania. Donc, Mickey Mania, pour le coup, qui a été développé par Virgin Interactive. Ou Disney Interactive, j'ai un petit doute. Voilà, où là, il y avait quand même un peu plus de... Il fallait un peu plus de skill pour réussir à jouer à Mickey Mania. Celui-là, je crois que c'est le plus facile de la saga Mickey sur Sega. Parce que Castle of Illusion avait quand même une petite difficulté. Je crois que pour démarrer dans les jeux Disney, et si vous voulez faire découvrir du rétro à vos enfants et tout, il faut commencer par celui-là. Parce que c'est vraiment le plus facile, mais moi c'est celui avec lequel j'ai le plus de souvenirs, quoi. Vraiment, il est beau, regardez, il est beau, les animations sont belles, puis c'est rigolo, regardez ça, c'est cool. Un petit bumper qui pue, qui nous crache comme ça.
Alors oui, je vous ai pas tout montré. Donc en haut à gauche, on a la barre de vie, qui sont des cartes à jouer. Voilà, donc là en plus je me suis fait toucher, donc on voit que j'ai perdu une carte. Ensuite à droite, nous avons les vies. On n'a pas beaucoup de vies, ils appellent ça des essais, des tries. Et voilà, on en a que 3, c'est pas énorme. Et de temps en temps, on a des petits sacs comme ça avec des points d'interrogation et on peut gagner des choses. Comme là, j'ai eu un bonbon qui est l'équivalent d'une dacker, d'une carte. Et pour Donald, on verra après, les cartes sont des cartes de pique. Là, c'est des cartes de cœur. Et après, les cartes, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Des fois, on attrape des cartes dans les sacs, là. Je sais pas du tout. Peut-être des points, des scores pour améliorer un score, je sais pas. J'ai jamais vraiment fait gaffe. Donc voilà, bon, c'est un jeu qui peut se terminer, je pense que. Bon, allez, une grosse demi-heure, un gros trois quarts d'heure. Allez, gros, grand maximum trois quarts d'heure, il est fini. Bon, là, je prends mon temps en plus, hein, j'explore. Mais voilà, regardez, l'animation est vraiment belle, regardez. C'est super joli, quoi. Tous les petits détails sont beaux. Regardez quand il se baisse. Là, je touche à rien. Hein. Je suis juste abaissé. Et voilà, il observe autour de lui comme ça. C'est vraiment bien foutu, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'observais un petit peu autour de moi le reste des décors. Non, ouais, c'est. Voilà. On va essayer de faire un petit. On va essayer de finir celui-là, niveau, au moins. Et après, je vais vous montrer une phase avec Donald. Mais c'est vraiment sympa, quoi. Regardez, j'adore sa façon qu'il a de retomber. Oh, foiré. J'ai cru qu'il allait me toucher. Il va repop ou pas? Non. Regardez, hop. Je sais pas, il tend les bras. Ouais, c'est bien foutu. Oh! Allez, on va essayer de finir ce niveau et je vous montre une partie avec Donald dans un autre monde que j'aime beaucoup. On fera un password pour le coup. Je vous dévoilerai un password. Je fais le boulot d'Internet. Regardez, oh, cette musique est trop cool, écoutez. Attendez, je vous augmente un peu le son. Là, j'adore. C'est génial. Et franchement, toutes les musiques sont cool. Je vous... Oh, j'ai envie de vous faire écouter quand même au niveau de l'océan là. Allez, on va le redémarrer. Je vais quand même vous montrer le niveau de l'océan parce que la musique est sublime. Attendez que je rebaisse ici. Voilà. Je vais prendre le mot de passe de l'océan. Hop, on va faire ça tout de suite. Mais franchement, le niveau de l'océan est juste. La musique est magnifique. Vraiment. J'aime beaucoup la musique de ce niveau. Hop, on va dans les passwords. C'est Daisy, on reste comme ça. Ici. Ah non, c'est pas Daisy, c'est Dingo ici. Voilà. Dingo. Oh putain, je suis sur un site où le mec a quand même écrit Pluto, mais comme le mot Pluto. Pluto. Et ici, c'est Picsou. Voilà. Et ici, c'est Mini. Hop, on arrive tout de suite. Et écoutez-moi ça. J'aime beaucoup cette ambiance. Mais alors, attendez, je rebaisse. Le seul problème, c'est ça. Ils ont gâché ça avec un bruit de bulle hyper prenant qui vient en avant là. Dommage, parce que j'adore cette musique. Regardez, l'animation de la bulle est super cool. C'est vraiment beau. Je suis pas un fan, un grand fan des niveaux dans l'eau en général. Mais alors ce passage et cette musique, j'adore, j'adore. Bon, on va redémarrer une dernière fois, je vais vous montrer un petit peu avec Donald ce que ça donne. Avec un autre niveau que j'aime beaucoup, le niveau de la bibliothèque, que j'aime énormément.
Ok, on l'a sous les yeux. On va faire un password avec Donald. Alors par contre, j'ai les deux parce que alors il y a des passwords avec Mickey et avec Donald. Mais est-ce qu'il faut que je choisisse d'abord Donald avant de lancer le password? Non, je pense pas. On va essayer. Alors, on a Daisy. Ensuite, ici, on a Picsou. Lui, c'est Horace. Peu connu celui-là. Picsou. Ensuite, on a Pluto. Pluto. C'est pas lui, c'est pas lui. Pluto. Et ensuite, on a. Bah, eux, ils disent la vache, mais c'est Horace, je crois. Je crois que c'est Horace son nom. Je sais plus. J'ai des doutes des fois. Alors, on y est. Ah bah non, on est avec Mickey. Eh merde. Ah merde. Ah bah normal, je me suis gouré de lignes. Allez, on recommence, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. Ah bah oui, forcément. Je suis sur le site sur un site où il a vraiment divisé les deux et je me suis gouré de lignes. Donc on était avec Mickey. Et en fait, bah, c'est hyper original parce qu'on a vu la Mickey sortait d'un aquarium et en fait, c'est le niveau juste après le niveau de l'eau. Donc en fait, on découvre qu'on était tout simplement dans un aquarium rétréci en fait. Et hop, on sort de l'aquarium. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper original. On est dans des mondes vraiment. Des mondes fantastiques, quoi. Ça prend très très bien, quoi. Donc on va essayer de pas se gourer. Non, alors en fait, c'est Daisy, c'est ici, c'est Picsou. Picsou. Il est là. Ensuite, c'est Dingo. Dingo. Où il est Dingo? On l'a déjà passé, je crois. Voilà, il est là. Et ensuite, on a Pluto. Non. Non. Voilà. Et là, on devrait être bon. Ah, voilà. Alors voilà. Donald, alors déjà Donald, sa façon de marcher, ils ont vraiment fait. Son popotin se remuer comme ça. Non, l'animation est super belle. Vraiment super belle. C'est dommage, ils auraient pu. Ça aurait été vraiment parfait s'ils avaient pu faire une sorte. Bah ouais, une ombre au personnage quand il saute, là, un rond d'ombre en dessous de lui. Parce que là, on sent qu'il est un peu détaché du décor. Mais bon, c'est vraiment chipoté. Alors regardez ce qu'il fait quand. Voilà, quand on touche pas. Au bout d'un moment, il râle, il se dit: Bon, dis donc, qu'est-ce que t'attends? Ah non, il est vraiment stylé, hein. Franchement, il est stylé. Mais Donald a toujours été bien animé, hein, que ce soit dans Quackshot, dans ce jeu-là, dans un jeu pas top, mais l'animation. Alors, oh putain, j'ai plus le nom en tête parce que j'y ai jamais vraiment joué. Mais c'est un jeu où il incarne un ninja. C'est pas grave, tout ça s'affiche en bas de chez vous, en bas de votre écran. Donc, on va avancer un petit peu dans ce niveau que j'aime beaucoup aussi. Et on peut interagir avec tellement d'objets. Alors moi, en plus, c'est quelque chose qui me fascinait, moi, les films. Chérie, j'ai rétréci les gosses et tout, j'adorais. Et là, pouvoir être petit dans un monde de géants, justement, du coup, j'adorais. Et on pouvait interagir avec des objets comme là. Voilà, juste ça m'éclatait. J'adorais pouvoir interagir comme ça, être un petit bonhomme dans un monde réel, un peu comme ça. Hop, regardez. Oh, c'est top. Moi, j'adore, franchement. Mais ce jeu. De toute façon, c'est un grand titre de la Mega Drive. Il faut l'avoir dans sa ludothèque Mega Drive si on se lance dans une collecte. Moi, c'est un des premiers jeux que j'ai rechopé. C'était obligatoire. Et voilà, non, c'est super joli. C'est. Voilà. Que dire? J'aime beaucoup ce jeu. En plus, bah, c'est vraiment, je crois, un des premiers jeux que j'ai mis dans la console étant petit. Voilà. Ma première console étant une NES, ma deuxième une Mega Drive et. J'étais déjà plus âgé à la Mega Drive, enfin, j'avais que 5 ans. Hein. Mais voilà, du coup, c'est des souvenirs très lointains, mais en même temps très ancrés en moi. Et c'est un jeu que j'adore. Et regardez, on va se quitter là-dessus. C'est cette boîte de sucre qui est juste là, cette boîte de bonbons. Voilà, on pense que c'est juste une boîte. Et regardez, c'est un petit niveau caché. Et c'est ça qu'on aime dans ce jeu. Plein de petites originalités comme ça qui fait de lui un très très bon titre de la Mega Drive. Et ben voilà, c'était mon premier review. J'espère que ça vous a plu. Souvent mes reviews seront basées sur des jeux que j'ai poncé pour le coup. parce que bah voilà, j'aime bien pouvoir aussi faire autre chose que du let's play.
Donc voilà, bah c'était mon petit aperçu sur World of Illusion. Je vous conseille vraiment de vous le faire. Ça va très très vite, comme je vous ai dit. Posez-vous, que ce soit en émulateur ou en jeu, en cartouche. Posez-vous dessus, essayez de le finir. Jouez-y à deux, parce que ça vaut le coup aussi. On passe des bons moments, c'est bien marrant. Et en plus, c'est un des rares jeux qu'il propose. Donc il faut l'avoir. Eh bien voilà, merci à vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne d'RVGG pour suivre la suite des vidéos. En attendant, je vous donne un petit conseil, mettez des pulls quand il fait froid. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao.